Okay, so we are here today with Louis Gay. Excuse, on va la faire en français, ouais, c'est vrai. on est ici aujourd'hui avec Louis Gay, à Ottawa, en fait au Musée des sciences et technologies. Nous sommes le 20 juin 2015, Juillet. juillet, excusez, merci, juillet 2015, et l'intervieweur, comme d'habitude, va être William McRae. Alors, débutons. Alors, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, donner votre nom au complet? Oh, mon Dieu, j'utilise jamais, mais je peux vous le donner au complet si vous le voulez. Louis Florian de mon parrain Gay. C'est un beau nom du milieu. C'est ça, c'est ça. Et votre âge? Oh mon Dieu, un vu très jeune, 62 ans. Excellent. En fait, ouais, Vous m'auriez demandé ça c'est la semaine très prochaine, j'aurais jeune. augmenté d'un. Ah, ok. Mais bonne fête d'avance. Merci. Et vous êtes né où? J'ai la prétention de dire que je suis né à Beaumont, un petit village près de Lévis, à Québec, bien que je sois né à l'hôpital comme presque tout le monde. Et donc, je suis né à l'Hôtel Dieu de Lévis. Mais, voilà. Sur mon passeport, puisque c'est marqué Beaumont, je suis très fier que ce soit Beaumont. Pour toutes sortes de raisons. Oui. Et quand vous étiez jeune, vos parents faisaient quoi? Oh mon Dieu. Mon père était un travailleur social. Ma mère était. Elle a fait beaucoup de choses. Entre autres, elle a été gouverneure de Radio-Canada. Elle a été professeure de philo, professeure de service social. Elle était travailleuse sociale. Elle a travaillé pour la commission Gendron. C'était la première diplômée docteur en philosophie femme au Canada. Ah ouais, waouh, waouh. Le talent a sauté une génération. Alors, ce sera. Tout le talent s'est retrouvé chez mes enfants. Ok. Et vous, lorsque vous étiez jeune, est-ce que vos passe-temps ou vos passions, est-ce qu'ils venaient de vos parents ou c'était des choses complètement uniques? C'était un petit peu différent. J'ai pris J'ai eu le bagout pour les sports nautiques, alors voile, canot, ski nautique. J'ai fait beaucoup, beaucoup de ski nautique. Je suis devenu instructeur dans tous ces sports-là, y compris le ski nautique. Voilà. Et j'ai été Okay. scout aussi un petit peu plus Moi jeune. aussi, Ça excellent. m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé dans toutes les phases de ma vie. Alors c'est Excellent. ça. J'ai aidé un petit peu mon père à travailler dans son atelier. Il travaillait le bois. Ça m'aide beaucoup aussi aujourd'hui. Voilà. OK. Je suis une espèce de. Je suis manuel, mais je suis évidemment un petit peu intellectuel, pas très, mais Oui. j'ai pas beaucoup de talent manuel, mais j'ai pas plus de talent intellectuel, mais j'ai un petit peu des deux. Voilà. Excellent. Ouais, non, un peu comme moi. J'aime bien les deux. Et est-ce que vous avez, à un jeune âge, développé des intérêts pour la science ou quelque chose Oui, dans ces domaines? oui, oui, oui. Ouais. Une curiosité. OK. Moi, je suis une espèce de papillon, je butine beaucoup, je ne vais pas très en profondeur parce que j'en suis incapable, je n'ai pas une formation scientifique. J'ai fait pas mal de mathématiques, cependant, là, j'étais bon en mathématiques, mais en physique et puis en biologie, là, aussi étrange que ça puisse paraître, ça m'ennuyait les cours, bien qu'aujourd'hui, je m'aperçois que j'ai bien fait de faire un petit peu de physique et un petit peu de biologie, parce que oui, ce sont des sujets qui m'intéressent, et comme dans le secteur qui est devenu le mien, tout est dans tout, hein, comme on dit Oui. en bon québécois, tout est dans tout. Toutes ces notions-là sont importantes, y compris des notions de biologie qui m'ont amené à m'intéresser à une découverte que mon père a faite de l'utilisation du bois ramial fragmenté dans la régénérescence des sols. Alors là, je ne voudrais pas vous faire un panégyrique sur tout ça, là, mais ce sont des façons, ni plus ni moins, de redonner à la terre sa capacité, au sol, sa capacité à soutenir la vie à travers du bois raméal. Voilà. Ce sont entre autres choses des choses qui m'intéressent. Quand les gens me parlent de lixiviation ou de présence de tel ou tel élément dans le sol ou associé avec telle molécule,
Je suis capable aussi de comprendre un peu ce que ça veut dire et parce que j'ai fait de la chimie, la chimie peut-être c'est le sujet qui m'a le plus intéressé, le sujet scientifique qui m'a le plus intéressé. Aujourd'hui, ça me sert. Et est-ce qu'il y avait cette école secondaire des professeurs qui vous ont vraiment Oui, aidé à aimer? entre autres, un professeur de mathématiques qui m'a donné le goût de la discipline intellectuelle et qui probablement a changé le cours de ma vie académique en introduisant de façon assez subtile un intérêt que j'ai développé pour la mathématique, là, parce que la mathématique, c'est quelque chose qui s'élève au-dessus de l'arithmétique ou des mathématiques. C'est quelque chose de totalement holistique. C'est la capacité par des symboles et des nombres de décrire la vie. Alors, c'est très, 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 très vaste. Oui, alors j'ai découvert de la discipline, j'ai travaillé beaucoup, j'ai eu beaucoup de succès. Voilà. Oui, c'est le sujet, c'est loin de l'industrie extractive, mais moi je prétends que avant de sortir de son premier cycle universitaire, on ne fait qu'apprendre à apprendre. Ce que l'on apprend n'a pas vraiment. Pas nécessairement utilisable tout de suite. C'est de la gymnastique intellectuelle jusqu'au niveau baccalauréat. Après ça, ben, ça devient un petit peu plus serré, un petit peu plus Applicable. applicable. Voilà. Et est-ce que vous pouvez me parler un peu de votre éducation Universitaire, universitaire? au niveau du cégep, j'ai fait sciences économiques, et puis au niveau universitaire, j'ai fait administration. Administration des affaires, maîtrise en sciences commerciales. Oui, alors ça aussi, toute connaissance est utile. Je peux pas dire que j'ai passé ma vie à utiliser ce que j'ai appris en recherche opérationnelle ou en comptabilité, mais ce sont des. Je suis un gars éclectique. Alors le peu que je sais, que je connais en finance, le peu que je connais en biologie, le peu que je connais en mathématiques, le peu que je connais en géologie, tiens, tout ça me sert aujourd'hui de façon à avoir une vue plutôt, une perspective aussi large que possible d'un sujet qui est totalement holistique, celui de l'industrie extractive et en particulier du secteur minier, parce que dans l'industrie extractive, à mon avis, le secteur minier est le secteur le plus qui comporte le plus. C'est un peu tautologique de dire ça, et c'est même un pléonasme, mais le plus d'éléments holistiques. Ça se dit pas, ça. C'est une industrie holistique parce qu'elle touche. C'est la seule industrie où c'est l'industrie qui touche, pas la seule industrie, mais c'est l'industrie qui touche de façon plus intense à toutes les facettes de la vie humaine. Absolument, absolument. Alors, si on réussit à travailler et à faire en sorte, et c'est là le motto, là. Si vous voulez avoir mon motto, là, le voici. Hein? C'est de faire du secteur, de contribuer aussi humblement que possible à faire du secteur extractif et en particulier minier un vecteur efficace de développement socio-économique durable. Ça, c'est mon motto. OK. Et ça, on va en parler Ouais, plus tard. on va peut-être le répéter, là, Oui, mais non, mais c'est bien, on va en parler plus voilà. tard. Et qu'est-ce qui vous, de là, Qu'est-ce qui vous m'a amené à ça? au secteur minier, ou même juste à Ah bon, l'intérêt alors, du moi, secteur minier? c'est la convergence de la vie, comme je dis. D'abord, ma carrière a été celle d'un diplomate, c'est-à-dire j'ai travaillé pendant, ou j'ai été attaché, je devrais dire, pendant 38 ans au ministère des Affaires étrangères. Durant ces 38 ans-là, j'ai pris deux périodes de vacances, une dans les années 80 où je suis allé, et tiens, là, j'ai mis mes connaissances en administration à profit. En gérant en Afrique, au Cameroun, un projet de construction, de conception, de construction, d'approvisionnement, de formation de formateurs
pour un réseau complet de 6 lycées techniques. Alors, 6 grandes polyvalentes, là, techniques, parce que c'est plus complexe quand c'est technique que quand c'est pour l'enseignement général, qui se répartissaient un peu partout sur le territoire du Cameroun. 6. Ça faisait beaucoup de monde, beaucoup de complexité, etc. Est-ce que c'était toutes des écoles du Technique. Cameroun Oui, ou est-ce que oui. c'est des écoles Non, 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 ça OK. appartenait, c'est non, pour le moment. La deuxième fois que j'ai pris une vacance du gouvernement, j'étais en République dominicaine. Je revenais au Canada après 3 ans de mandat. Et le téléphone sonne. Louis, est-ce que tu retournerais à la tête de nos intérêts en République dominicaine? C'était une compagnie basée à Vancouver qui me demandait de diriger un projet dans le cadre de la première tentative du gouvernement dominicain de reprivatiser, parce que c'est un projet privé, nationalisé, et qui a nécessité une reprivatisation. Un projet de mine d'or. J'ai dit première tentative parce que la première tentative a échoué lorsque nous sommes partis en 99, en juillet 99. Le prix de l'or était à 267 $. Alors presque 1 000 $ de moins qu'aujourd'hui. 1 100 $ 900 $ de moins qu'aujourd'hui. Alors, tout ça pour dire que mes premières armes à l'intérieur du secteur minier, était la résultante de mon expérience en République dominicaine entre 93 et 96, dirigeant la mission canadienne là-bas, et l'opportunité qui s'ouvrait devant moi là, de ce projet. Alors, ça m'a permis d'établir des racines très, très, très profondes avec toutes les classes sociales en République dominicaine. Ça m'a permis de contribuer, d'être un des fondateurs de la Chambre des mines et du pétrole là-bas. Ça me permet encore aujourd'hui d'essayer de contribuer, là comme ailleurs, à l'évolution du secteur minier vers justement cet objectif-là de susciter, d'engendrer des résultantes et des résultats durables. OK. Et ça, on y reviendra tout à Oui, l'heure. OK. Et c'était pour quelle compagnie, base à Cette Vancouver? compagnie-là, s'appelle toujours Eldorado Gold Corporation, compagnie qui a eu beaucoup de succès à mon avis, depuis que tous sommes partis. C'est pas parce que je ne suis plus là qu'elle a du succès, du moins j'ose l'espérer. Mais c'est une compagnie qui est devenue assez connue un peu partout. Des projets en Turquie, en Grèce, en Chine. Elle en avait au Brésil, au Mexique, mais elle en aura ailleurs un jour, sûrement. OK. Et ça, c'était votre premier emploi qui se rattache à l'industrie minière ou aux ressources Oui, naturelles? c'était pas mon premier. Oui, directement. Oui. OK. Et jusqu'à un certain point, le seul qui me reliait au secteur minier directement. Néanmoins, ma dynamique dans le secteur public, là, Oui. tout mon travail diplomatique a été fait presque tout le temps. Et j'essaie de trouver une occasion où c'était pas le cas dans des pays où les ressources naturelles étaient comment dirais-je, un élément très important, soit des défis sociaux et économiques que rencontraient ces pays-là. Alors, je vais les nommer, c'est très simple. Alors, dans l'ordre, le Mexique, la Grèce. Alors, on sait tous que le Mexique est très riche au niveau de ses ressources naturelles, la Grèce aussi, que la Grèce rencontre toutes sortes de problèmes à gérer ce genre de dossier-là par les temps qui courent, nonobstant le débat sur l'euro. Grèce, Cameroun, où j'ai été 2 fois. Alors là aussi, c'est le Cameroun à l'instar du Congo où j'ai été, une espèce de scandale géologique.
J'ai fait aussi le Gabon, qui est un pays, un tout petit pays d'Amérique centrale, d'Afrique centrale, pardon, dont les ressources naturelles sont énormes. Et j'ai été accrédité aussi en Guinée équatoriale, qui tire à peu près 70 ou 75% de son produit national brut du gaz et du pétrole. Alors, est-ce que j'en oublie? Ah, oui, j'en oublie un qui est très notoire aussi, c'est le Venezuela. Alors, tous ces pays-là, à un moment ou à un autre, ça, c'est les pays où j'ai vécu. Et en plus, j'étais évidemment en charge de toutes sortes de dossiers géographiques, pas seulement géographiques, mais dans les cas où j'étais en charge de dossiers géographiques à la centrale, ici à Ottawa, au ministère des Affaires étrangères, c'était des dynamiques teintes par la présence ou les défis soulevés, engendrés par les ressources naturelles. L'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Centre, le Soudan. Ça, c'est des dossiers dans lesquels j'ai versé. Et tout ça parce que la gestion de conflits m'intéressait beaucoup, et la gestion de conflits comme moyen de créer les conditions pour le développement. Sans paix, il n'y a pas de développement. Sans développement, il n'y a pas de paix. Alors, c'est une espèce de... Je sais bien que ça ne plaît pas à certaines autorités que l'on dise ça par les temps qui courent, mais moi, mon modèle professionnel, celui qui m'a fourni une partie de mon... Je dirais de ma vision, celui qui m'inspire, qui m'a inspiré à un jeune âge, il s'appelle Lester B. Pearson, et c'était un homme de paix, prix Nobel de la paix Ouais, un 56, très et bon un homme premier de ministre. développement. Il a été président de la commission de l'ONU sur le développement. Alors, c'est un homme qui a joué à un autre niveau que le mien. Moi, je suis un petit peu plus près des pâquerettes que lui ne l'est. Mais il ne l'a jamais été d'ailleurs. Mais moi, je m'inspire de Lester B. Pearson au moins sur ces deux dossiers-là, Oui. ou c'est sur ces deux contributions notoires à ce que j'appelle le bien commun. Oui, absolument. Voilà. Il a transformé l'image canadienne aussi à travers le Oui, monde. et il a créé les conditions pour toutes sortes de choses pour se passer. C'est un homme remarquable, un homme de centre. Moi, j'appelle ça un extrême centriste. Et ce que je, ce, de, ce à quoi j'aspire, ou c'est la position politique de laquelle je me réclame. OK. Et si on retourne, mettons, aux exemples, aux endroits où vous avez vécu et travaillé, vous aviez mentionné que une grosse partie de votre job, c'est de faire ou régler le problème de paix ou de conflit. Oui, ou d'en être des témoins. Alors, au titre des conflits, merci de me poser la question. Au titre des conflits, j'ai été soit un témoin, parce que un diplomate, je ne dirais pas avant tout c'est un témoin, parce que il n'y a pas d'avant tout dans la diplomatie, à mon avis. Mais j'ai été un témoin de conflits. J'ai été À un moment donné, j'ai même travaillé pour les Nations Unies, et j'étais alors impliqué dans la médiation, hein, j'étais médiateur dans des conflits. J'ai même été l'objet d'un conflit, ou ça, c'est pas difficile d'être objet d'un conflit dans nos organisations, mais je parle d'un conflit. C'est en plan international. Alors, mais je m'aperçois que les conflits, c'est quelque chose qu'il faut gérer de telle façon à ce que on évite de nuire à la dynamique de développement que une petite dose homéopathique de conflit peut susciter, et une très grosse dose de conflit peut totalement annihiler. Alors, c'est complexe, la dynamique de conflit, mais c'est quelque chose dont il faut être au fait,
auquel il faut être sensible et qu'il faut gérer judicieusement. D'ailleurs, aujourd'hui, une des organisations, là, parce que je sais que c'est une des que j'encourage et que j'appuie, s'appelle l'Institut canadien pour la résolution de conflits. Et justement, on a des activités de formation de formateurs en médiation que j'essaie de développer. Là, j'ai commencé en République dominicaine. On ira peut-être au-delà, peut-être Haïti, peut-être ailleurs en Afrique. En tout cas, on essaie de développer là, une dynamique qui fasse qu'une organisation comme celle-là, qui est vouée à la promotion de la paix, devienne de plus en plus efficace, pénètre de plus en plus à tous les niveaux, que ce soit au niveau du foyer, de la famille, du foyer, de la communauté ou d'institutions ou de pays, de telle façon à ce que, encore une fois, les conflits soient gérés de telle façon à ce qu'ils servent le bien commun et non pas annihilent les possibilités de développement. OK. Et si on rattache ça au développement, est-ce qu'il y avait souvent des conflits directement causés par du développement ou est-ce que c'était du conflit à régler parce qu'on voulait un développement spécifique? Alors là vous reliez ça au secteur, vous faites une espèce de pont là, un segue comme on dit en latin, avec le secteur minier ou le secteur extractif en général. Oui. Pas seulement, mais il y a deux trois choses et ça me donne l'occasion de vous dire que mon constat, c'est que oui, il y a des éléments communs à tous les conflits. Un de ces éléments-là, c'est qu'il n'y a pas de conflit que je connaisse qui n'est pas un élément catalyseur, là, au sens chimique du terme, ou un élément de génétique ou de genèse, c'est-à-dire la cause, une ressource naturelle. Par exemple, j'ai été mêlé aux questions des diamants en Sierra Leone. Okay. Alors, j'ai travaillé sur ça. J'ai travaillé sur le Soudan. Alors là, c'est les ressources supposées au sud du Soudan qui sont moins en moins supposées aujourd'hui et de plus en plus présentes, présence de gaz et de pétrole, de forêt aussi. Le Congo. Inutile de dire, le Congo, c'est au kilomètre carré probablement un des pays les plus riches du monde, autant par son sol que par son sous-sol. Je parle de la forêt, je parle de l'eau, je parle évidemment du cuivre, cobalt, uranium. Je ne sais pas si vous le savez, mais l'uranium d'Hiroshima venait du Congo. Ah oui? Ouais. Non, je ne savais pas. Ouais. Alors, le Gabon, si le Congo est le premier, le Gabon doit être deuxième au plan d'intensité, ou peut-être même premier. Guinée équatoriale, bon, Cameroun. Donc, mais là, j'ai perdu le fil de votre question. Quelle était la question? Essentiellement, c'est ça. Ma question, c'était est-ce que les conflits étaient souvent ah oui, alors les conflits, c'est ça, les éléments communs aux conflits. Alors, il y a pas beaucoup de conflits, ou j'en connais pas, moi, en tout cas. Je fais attention à l'absolutisme, parce que l'absolutisme, je ne pourrais pas dire qu'absolument tous les conflits ont une relation, mais j'en ai pas constaté. Et évidemment qu'une ressource naturelle, c'est pas nécessairement seulement du cobalt, du cuivre, de l'or, voilà. Une ressource naturelle, ça peut être l'espace aussi, parce que c'est une ressource drôlement importante, ça. Hein? Alors, donnez-moi un conflit, quand c'est, par exemple, la militarisation du Japon et son entrée dans la Deuxième Guerre mondiale était sur la base de l'espace et des ressources naturelles. Bon, c'est le plus clair. La même chose pour les Allemands. Leur expansionnisme était basé sur leur accès à, ils n'avaient pas compris les éléments du libre-échange, hein? Alors qu'il y avait une autre voie avoir accès à des ressources naturelles, autre que militairement. Alors, donc,
L'autre élément qui est commun à tous les conflits, c'est que, encore une fois, soit comme élément catalyseur ou élément de la genèse même du conflit, c'est l'ignorance. Alors, en quelque part, cet élément-là, si l'ignorance, si on s'accorde que l'ignorance fait partie de la plupart des conflits, ça prend pas un physicien nucléaire ni un grand mathématicien de l'algèbre des ensembles pour déterminer le A' de ce constat A, là. Alors, injecter de la connaissance, de la transparence dans une équation, quelle qu'elle soit, que ce soit le projet Walmart ou le projet, nommons-en un, un projet minier quelconque, en quelque part, c'est un élément de résolution, certainement, sinon de résolution, de gestion du conflit qu'un projet en particulier pourrait ou suscite. OK, merci. Est-ce que si on continue sur vos projets miniers ou vos rôles dans les projets miniers, est-ce qu'il y avait un rôle à lequel vous pensiez qu'il était vraiment un rôle où vous travaillez dans un endroit ou une organisation dysfonctionnelle? Moi, j'ai pas eu cette chance de travailler dans une compagnie minière. Ah, excusez-moi. Là, par exemple, vous voulez dire, est-ce que j'ai été témoin ou j'ai contribué à restaurer une fonctionnalité là où il y avait dysfonctionnalité? J'espère que oui. Oui. Ce n'est pas l'exemple d'Eldorado parce qu'on créait sur un modèle qui était celui, le mandat qu'on m'avait donné, c'est celui de travailler à établir, à créer les conditions de telle façon à ce que la compagnie Eldorado Gold Corporation, qui était une compagnie de joint venture avec une autre, soit présente, ait une relation efficace, sentie, normale, de deux générations avec le pays. Alors, moi, c'était une très belle carte grise. Elle n'était pas totalement blanche parce qu'elle avait une direction, mais tout le reste était ouvert. Et oui, alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a multiplié les façons de s'inscrire dans un engagement, un dialogue et la constitution de partenariats d'un type ou d'un autre avec une infinité de catégories d'acteurs. Depuis que j'ai pris ma retraite en 2011, fin 2011 du ministère des Affaires étrangères, je me suis converti en un consultant, d'une part, parce que j'ai aussi, et on y reviendra j'espère, eu le grand bonheur et la grande opportunité de faire partie du secteur académique. Alors revenons avec Saint-Paul. À l'Université Saint-Paul. Ouais. Comment on appelle ça? En anglais, c'est Senior Fellow, qui n'est pas très évocateur, qui donne une aura, mais qui n'est pas très évocateur. On peut aussi changer l'entrevue en anglais aussi. Oui, on va le faire là. En français, c'est professeur de pratique, okay, que j'aime beaucoup parce que c'est très, très évocateur. Et ça me permet de vous dire que ça me permet, moi, d'amener la salle de classe dans le champ et surtout le champ dans la salle de classe. Ça m'oblige à cadrer mes notions. Il y a beaucoup, beaucoup de concepts toutes sortes d'étiquettes plus ou moins modernes qui n'ont pas été développées, sur lesquelles personne semble s'être arrêté. Ou en tout cas, n'est fourni de définitions qui me satisfait moi. Et
J'ai l'occasion de participer à ça, ou en tout cas de le faire. Alors ça, c'est le volet intéressant. Alors, je me suis converti à la consultation depuis octobre 2011, et de ce fait, on m'a demandé d'examiner plusieurs projets, pas tous avec des fins de diagnostic, mais quelques-uns. Et oui, j'ai constaté, dans certains projets, pas dans tous, une grande dysfonctionnalité. Qu'est-ce que je peux dire de cette dysfonctionnalité-là? Je peux dire que la dysfonctionnalité est peut-être le fruit d'une culture corporative faible. Ça peut être aussi le fruit d'une trop grande décentralisation des corporations qui affichent des valeurs et des modus operandi tout à fait acceptables et même plus qu'acceptables au niveau corporatif, mais qui, au niveau du terrain, ne s'expriment pas avec autant d'efficacité et de pertinence ou de transparence ou même de correspondance, de cohérence. Il y en a d'autres qui la dysfonctionnalité vient pas d'une histoire très très longue, mais d'une histoire récente où soit des changements corporatifs, soit des variations assez grandes dans le prix des valeurs a eu un impact direct sur leur, aussi étrange que ça puisse paraître, sur leur capacité de maintenir une relation efficace avec leurs parties prenantes sur le terrain. D'autres encore que ce sont des gouvernements qui ne savent pas tout à fait la chance qu'ils ont de faire affaire avec certains acteurs coopératifs, je dirais, de première catégorie, parce qu'il y a différentes catégories d'entreprises minières, et qui poussent un peu trop et puis réussissent à rompre la relation l'équilibre dans une relation à long terme. D'autres encore qui sont si isolés, encore une fois, là je reviens à la décentralisation, ils sont si isolés de ce qui se passe sur le terrain qu'ils ne se donnent... Ouais, qu'ils ne comprennent pas du tout. Comprennent pas ce qui se passe. D'autres encore qui sont dans des milieux où ils pensent qu'ils sont sur une autre planète, qu'on n'entendra jamais parler d'eux, et qui aujourd'hui, grâce au sens positif, là, grâce aux médias sociaux, sont rapidement repérés. D'autres encore qui font tout ce qu'il faut comme il faut, mais parce qu'ils sont à un tel endroit, à un tel moment donné, etc., sont une cible trop facile. La malchance. Non, ils sont la cible d'opportunistes. Et des fois, il y a un petit peu de mélange de tout ça. Et donc, en quelque part, il y a énormément de travail à faire pour amener ce que j'appelle les trois principales familles de parties prenantes à se parler de façon plus systématique, plus régulière. De s'engager dans des débats plus approfondis, de façon continue, de telle façon à ce que ces projets-là soient, ces aspérités-là, ces manques dans une aventure humaine ou une autre, ne deviennent pas, ne fassent pas de victimes sur le terrain. Je remarque, là, par exemple, et aujourd'hui, je pense que cette heure-ci, ça doit être déjà sorti, le verdict de la Commission des droits de l'homme, du Conseil des droits de l'homme à Genève sur des questions qui ont été faites au gouvernement du Canada sur ce qu'ils font en matière de surveillance de nos compagnies minières à l'étranger. Je pense que ces questions-là nous sont posées et ça pourrait nous sont posées à nous parce qu'on a des responsabilités un peu plus grandes, évidemment un peu plus grandes que d'autres pays hôtes de compagnies minières,
parce qu'on a une trajectoire plus grande, plus historique, plus une expérience plus pertinente. Et peut-être aussi parce qu'on n'a pas fait suffisamment pour démontrer que l'on était sensible à ces questions-là. Et je pense que le débat est disproportionné, c'est-à-dire qu'on va paraître comme des... Le gouvernement du Canada va mal paraître, ou le Canada, le pays, pas seulement le gouvernement, son gouvernement, mais le pays en entier va avoir de la tarte à la crème dans la face, non pas nécessairement à cause de ses comportements, mais à cause de son manque de militantisme ou son manque d'activisme au titre de la défense de ses valeurs fondamentales-là à travers ce vecteur qui est l'entreprise minière. Et en quelque part, il va falloir corriger ça. Ce n'est pas des, il va falloir corriger ça dans les prochains mois et années, parce que, encore une fois, le gouvernement du Canada n'a pas, à mon avis, dans ce domaine-là ou dans ce dossier-là, mesuré l'importance de son rôle et n'a pas mesuré l'importance de la responsabilité que la connaissance que lui procurent ses infrastructures, son histoire récente et moins récente, ses moyens, alors ses responsabilités qui étaient les nôtres. Alors c'est le fait de ne pas avoir pris nos responsabilités qui nous amène au banc des accusés, non pas nécessairement le comportement de nos compagnies. Je dis pas que toutes nos compagnies là sont, je fais pas l'apologie de qui que ce soit là parce qu'il n'y a pas d'apologie à faire, mais certainement que les critiques vont être un peu démesurées. Alors si ces critiques-là aujourd'hui s'adressent au Canada, demain elles devront s'adresser à d'autres pays aussi parce que d'autres pays ont des compagnies qui ont des comportements qui elles sont systématiquement pas acceptables. Est-ce que vous voulez qu'on change l'entrevue en anglais? Oui. On est tous les deux bilingues, alors. So, we'll move along with this question. What professional organizations have you joined, or if you've joined any? Oh, several. I'm a member of Canadian Institute for Mining. I'm a member of Prospector Developers Association Canada. I'm a member of CICR, Canadian Institute for Conflict Resolution. I belong to another organization, a community development organization called SOPAR, Société de Partage, which is a great source of inspiration for a lot of what has to do with the developmental approaches. That's already a start. And several others, like the retired heads of mission association, ex-ambassadors, and that kind of stuff. Many informal. I've created the Friday Group, which is a group, five of us, looking at extractive industry issues from time to time on a regular basis. I belong to a new an organization that is yet to be formalized, called the Social Practitioners Leadership Group. It's a global group, nonprofit, an organization which is going to meet again in, of all places, in the Netherlands, Nice. in a place called Groningen. Groningen is the place where the term Dutch disease was coined. And nobody knew until I tripped over that information that we were meeting in Groningen by opportunity, by logistical opportunity. And now I guess the convergence is on another level. It's on a philosophical level. So we will have to do something. This is at the end of September. So, and these organizations, most of those organizations, if not all of those organizations, are devoted to one aspect or the other of what I call durability. Some people call it sustainability, but I've
moved up from sustainability a little bit in one form or another. Okay. Is there one of any of the organizations you mentioned where you play a specific role, or is there one role in particular you're proud of? Or Mr. McRae, at my age, you let others do that. Yeah. You inspire, you share, you give everything you give to others. Yeah. Okay. Advice, consulting. Sparks. Yeah, okay. Got it. At my young age. Yes, absolutely, absolutely. Oh, and I mean, in many organizations that you mentioned, I'm sure you're still quite young. I'm sure that your canvas does not allow for anybody younger than I am, so I'm just making the... Yes. You're actually, on average, yeah, you're pretty young. Yeah. I know your work throughout your life has been incredibly varied in terms of... Eclectic, sure, good word. Very eclectic. How present or absent were women in the workplace? And we could also tie it directly to natural resources. As I told you at the outset, my mother was the first doctor in philosophy in Canada. First woman doctor of philosophy. So that's already a pretty strong impression for you as a child. Well, I never knew the difference. Yeah. It was only when I got to be, I don't know, university, that I was made more sensitive to the issue of women in the workplace. It was not an issue that I was... Yeah. Frankly, all of my right arms in all of my life, and I've been women. Maybe that's because of my sexual orientation, but it happened that way. And when I look back at high notes in my professional life, it was always a woman right there by my side. All the time. But even at the beginning of your career? I had many women bosses. Most of them excellent. And the propensity of women bosses to be not good was as high or lower than with men. So there was it was never an issue. Okay. I look forward now, fast forward. And the people behind me, people that I appreciate the most, as a matter of fact, one that I saw last Thursday in Vancouver, most of them are women. Most of those that I am investing time in inspiring, perhaps, at least trying to inspire, are women. Another thing that I don't want to get into gender debates here, but I've lived in Africa and Latin America for more than 20 some years. And in those societies, even Latin America, which is a little more sophisticated, many of societies, countries in Africa, if you want something done, if you want something changed, if you want something thought through, if you want, women are central to the development of those countries. I say that they are 51% of the population, which is demographically correct, and they constitute 80% of the effort, developmental effort. That is something that
was recognized early on in my own Foreign Service career when CEDA and the Canadian government developed all kinds of labels and rallying concepts and motus. And modi operandi as well, to give I would how a proportional a proportional role to women in development that they deserve by I'm not sure if it's politically correct to say by their political nature, by their natural capacity in doing things, but by at least in this day and age, in certain society, they're 51% of the population and at least 80% of the effort. Okay. So it needs to be, you know, it's only a practical way to promote more effective development, effective and efficient development. Okay. So you need those ladies there. You need those ladies there. Good. Yeah. So now, mind you, the problem now. Yeah. I've lived that through our little NGO that I. In which I participate, is the women, we've taken the women from way behind in terms of a role or the recognized role in a family or in a society, and we've brought them up slowly, 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 slowly. And now, you know, they even are noticing that the men are behind. That we need to pay attention to that new paradigm. The men are being marginalized because the women are all of the investment have been on women. So we'll have to restore that. You know, gender equality is not only bringing women to a new level. It is a balancing act, like in my model. You have to find a way to balance all of the interests. Otherwise, you're recreating even more conflict. Mm-hmm. And you're likely to, you know, if men in a given society feel that women have passed them too much, there will be an impact. There will be a reaction. And a conflict might be born out of that at the family level or even at other levels. And it's not going to be good, you know, if you want to recreate a conflict. You're not better advanced if you've put all your chips on the women. And ignore so you, some conflict. Somehow, and it's not a zero-sum game, you know. It's not you put less there so that, no, you have to put as much there, but you have to change your approach, a more balanced one. Thank you. Now, this question may be looking for concrete examples, but how did you apply your expertise in conflict management, so what you did most of your life, and in social responsibility to effective development of natural resources, whether it be anywhere in the world? In many, many ways. My last job in the Department of Foreign Affairs was as coordinator for social... what they so-called corporate social responsibility for the Americas. In fact, it was more global than that because I had inputs into other regions of the world where there were no such coordinated effort. One day. I was the first job that I had basically was to the main element of my job was to share with audiences across in Europe, in Latin America, even in Africa, the elements of the so-called
March 2009, corporate social responsibility policy of this government. And it's not a bad policy, by the way. There's not much to say against what was the result of many, many years of excellent policy work done by several of my predecessors on the CSR file. And I must be in, first time I read it, I said, I don't have too much to say against it. I tried to find gaps, couldn't. I had one question about an institutional arrangement, and that quickly proved to be a good decision. In fact, it had to do with the center of excellence and where to put it. And in true fact, the Canadian Institute for Mining, Metallurgy and Petroleum was the right place to locate that the center of excellence. So I started promoting, as was my job, and so on and so forth, and seeing how it could be implemented on the ground. I soon found out that there was absolutely no significant resources or substantial support towards that policy, very unfortunately. So a good policy, no money and no heartfelt support. And so I said to myself, well, all right, how do we compensate for this? And I saw that it was a bit of a dead end if we tried to hit ourselves hit our head on the ground, and perhaps the next iteration of the policy might be a lot better. And let's look at CSR 2.0, and let's see where we can define certain things that are still undefined in the current policy. Now that we know a few things, now that we are have the benefit of having learned from the challenges of implementation and so on and so forth. So I sat down and put together what I call the ISR, Integrated Social Responsibility Concept. And the ISR is a concept basically based on the fact that there is enough inertia or there's enough energy in any mining project to produce outcomes and outputs that are durable, and that produce benefits for all concerned. And when I'm talking about benefits to all concerned, it's not a zero sum game. It's not a financial equation. It's more than a financial equation. It includes a financial equation. And I strongly believe that a good project is good for shareholders. It is good for the host government for that project, and it's good as well for those concerned or impacted communities. And it is so that's the heart of the system, or the integrated social responsibility system that I am promoting, is the fact that there's enough for all. Okay. First of all, and the second axiom is the fact that all means three principal families of stakeholders: the investors, shareholders, companies, and the governments, local, national, even the international multilateral governance institutions that we have. And the third being the communities, defined in a pretty elastic way, because you cannot define
You don't define yourself, the community you're impacting. And if you try, many projects that have tried to, you know, to draw hermetic border between those that are impacted from those that are not impacted have discovered that they, that their problem came from just over the border. So somehow you have to, it's not that everyone is impacted, but you have to be adaptable, flexible, judicious, insensitive to those definitions. So I defined, rather than defining corporate social responsibility as my wherewithal, corporate social responsibility was one part of a bigger system. And the responsibilities that are incumbent upon the corporations or the investors have corresponding responsibilities for the host governments, and they have corresponding responsibilities with the communities. And if those responsibilities are not assumed fully by all concerned, it's not going to yield the durable, sustainable outcomes and outputs that we seek to generate. So I defined social responsibility as the permanent quest for balanced benefits accruing to all concerned. Pretty simple. The concept of balance is a philosophical one, and I develop it into that and other concepts within the course that I give at St. Paul University, which not only has a conflict number, but also a philosophical philosophy number attached to it. So people from the faculty of Department of Philosophy or the Department of Conflict have access to it, and it counts for their for the total credits that they have to gather. So I've developed all of those definitions with a view to ensuring that they're, and this is based essentially not on my reviewing everything that was written on corporate, so-called corporate social responsibility over the past 20 years, but rather looking at projects from the standpoint of what made those projects successful from an intuitive point of view, or unsuccessful for, from an intuitive point of view. And it's strictly empirical, and you know, successful elements are easy to gather. Unsuccessful, well, you, again, you go to this, to mathematics, and you go to the set theory, and what if A is this? A prime? You know, if lack of sensitivity by a general manager, an absent general manager over, or uncommunicating general manager in a given project for, is an identified element of failure. What does it take? What's the reverse side of that? It's very easy to find. Those durable outcomes and outputs can only then, I hypothesize that they could only be generated by effective partnerships between those three families of stakeholders. Then the question is, what does it take to create effective partnerships, and what does that mean mm-hmm. between the three categories of stakeholders? And so you go, and another hypothesis, you say, all right, engagement and dialogue probably is conditions for partnerships to, it doesn't take a nuclear physicist to know that. And then you say, what is required for dialogue and for engagement and dialogue to develop into effective partnerships? And I found out that it was a series of values. And those values, there are five values, and there are two processes. And I will describe that to you very, very succinctly.
The five values are respect, transparency, participation, social durability, and environmental durability. And the two processes to support that are conflict prevention is the first one, and the second one sounds very sounds off the wall a little bit, but I will refer to it in a minute, or I will expand on it in a minute. It is the permanent acquisition of knowledge and its sharing. Remember, we talked about knowledge mm-hmm. as a common yeah. or lack thereof. Ignorance. ignorance, an element of conflict. Now, the five first values have been ratified in three different multi-stakeholder roundtables organized by the CIM. We were asked, what are those values that we could meet? You know, the three families of stakeholders are at the table, and what are those values? And they came out. Either very, very explicitly for respect, transparency, and participation, and in filigran, because everybody assumed that they were there, in filigran or explicitly for the TULA. The two processes, conflict prevention is probably the one that can be woven through all of it. But the first pillar of the World Economic Forum in January of 2012, that came out with the it's called RDMI, I think, responsible RMDI, Responsible Mining Development Initiative. Okay. 2 years after, almost 2 years after I had done my model, was the first pillar is worded almost the same as my permanent acquisition of knowledge and its sharing. In other words, if a company becomes and shares its knowledge about X, Y, and Z, its challenges, its ways of solving, if it shares and consults on a permanent basis with its environment, it is likely to be very successful in finding solutions to many of the problems. Mm-hmm. I had the great opportunity of reviewing recently 1,200 pages of an environmental and social ESIA, social assessment. It is a document that looks at every aspect of the impact of a given project on the physical or the human environment. Everything is discussed, and you know, they go with intellectual tweezers to look at things. Very well written, very professional, and so on and so forth. But with no vision. Nothing comes out of there that would convince anyone of, you know, here is a project that will yield benefits for all concerned. It is just about what brings me to my model again. It is just about sustainability. It is not about durability. In other words, it is the sustainability as defined. And here I have to be extremely careful, because it's not quite true, but it's perceived as being the truth, as doing no harm of the Brundtland Commission. Well, doing no harm is no longer acceptable. It's not only doing no harm, it's doing a lot of good as well. And I believe that this approach is cheaper than doing no harm. Cheaper financially, cheaper in efforts, and I hope one day that we can prove it from a greenfield project on up, if that were possible. Not that these things don't happen already on the ground, they do, but they happen at different degree of intensity, and over time it can fluctuate because of the fact that
those investment in the relationship between a project, particularly a mining project, and its overall environment is impacted by fluctuation of prices, rather, which should be totally integrated as a fixed cost. One the day that all of those features will be compressed, brought down to size, that companies will not by conscience through public relations schemes or projects that look good but have no durability or no durable impacts whatsoever. I believe that once these things are all categorized, we will be able to shift. I know what a fixed cost is. That's my background, brought into fixed costs rather than on variable costs. I think that there is even with mining. Yeah, because mining is notorious if you don't recognize that the your minimal presence there entails certain things, if you don't do them, you sap the value of the capital value of your company or the capacity to do business, which is the same thing. I have seen there are companies out there that because of that, cut of gotten rid of their social license to operate. So what's the point of, saving a few hundreds of thousands of dollars, even if it's a few million dollars over 5 or 6 years, if you can't operate on the seventh year? Yeah. How much have you lost then? Who knows? Maybe more. who knows? Yes. Yeah. Well, I can tell you a lot. Yeah. To start with, and you're right. Who knows? But it's who knows on the high end. What could have happened? Yeah. Yeah. What's Let me. Yeah, for sure. It's 4 o'clock. How much time do you have? I can. All right. So, how does mining in various countries compare to mining in Canada? Or can you make that comparison? Oh yeah. I remember when I, in the 90s, just by way, I'll go by the historic perspective. I remember in the late 90s when I started participating in the annual PDAC conference, which is in March, which is the largest mining gathering in the world. Well, in those days, it was 5, 6, 7, 8, 9 thousand people. Now it's 30. Wow. And I remember 1 year, the last year of my mining professional life, which was 99, I said to the executive director, a gentleman by the name of Tony Andrews, which is a visionary and a somebody who has brought the PDAC into the 21st century. I said, but, I see absolutely no Africans here, no interest in Africa. He said, yes, there is one gentleman. He says, as a matter of fact, he's right around the bend. He's in the other room. So there was one old geologist, South African, in a gathering of nearly 10,000 people in 99 that had any interest in Africa, in mining. At the time, you will recall, South Africa was mining. And there was some things that were starting in Ghana, because I was aware of it, because some of the technology that would used by Ashanti Gold, which is an African, South African company, was relevant to our efforts in the Dominican Republic, which was based on bacterial extraction of
the dissociation of the gold molecule from the gold element from the sulfuric molecule with by bacteria, biox, it's called. So in 99, basically, of significant mining operations in Africa, there was Congo around Belgium or ex-Belgium concerns, South Africa, phosphates in Morocco, Alcoa in Guinea, that was it. I come back in 2009 in a mining so-called job as a CSR coordinator, and then Africans and African countries involved in mining are galore. So in 10 years they went from no mining to operational mines throughout Africa, West Africa, Mali, Burkina, even Nigeria in certain instances. There were mining projects throughout Tanzania, Gabon. Ethiopia. Gabon now? Gabon has seen manganese deposit being mined for a long, long time, but gold, no. There was no gold until, I don't know if the gold project has taken off, because there is gold in Gabon. There's a large iron project in Gabon as well, which I think went down the drain. But there are mining projects galore. There are mammoth, not epoxide deposits in Cameroon, mammoth deposits. In Cameroon, there are phosphates galore in Mali. Phosphates, they're just there in the desert, all over the place. There is gold in Ivory Coast. There is nickel in Ivory Coast. There's all kinds of stuff everywhere. Those countries are literally underexplored, and I predict that in the next generation, a very, very significant part of their GNP will depend on. So we're at the basement of Africa, but you know, the whole area has been open to exploration through a lot of work by the World Bank, reforming the concession regimes and the mining codes and so on and so forth, and that has opened. So we're at the infancy of a new era. We have to be very careful because we know what could happen. The Dutch disease or the could affect those countries. So they have to be smart. They have to not reproduce the same mistakes that a lot of other countries. We are blessed with the fact that mining takes place in where provincial jurisdictions compete with one another to a certain extent. And that competition has resulted in not liberalizing so much the rules, in other words, not making it a free-for-all, but miners, I found out to my great delight, like transparent frameworks. They like checklists. And they're, tell us what you want, and we'll do it. And they're extremely effective people. There is no industry that I know that is as effective. You know, they do things effectively, if not always efficiently. So they find solutions. So it's the fact of the matter is that in many countries of the world,
the governance, any governance, let alone that effective mining, is a lot weaker than in Canada. And that is the main difference. We, by and large, have turned our natural resources into durable outcomes and outputs. I say by and large because sometimes we fail, and there are exceptions. But our institutions, our civil society, even the debate on oil sands is guiding us, and I'm sure that there will be solutions. We will exploit those oil sands, and we will, and but we will be brought to finding new ways of doing it, so that the debate or the acrimonious part of the debate will go by the wayside, because it will have been satisfied that we're doing it in a different way. So yes, governance. Okay. And the governance is a major theme in my work. Yes. In my work in the field, in the projects I'm promoting, and if we can get, look at this. If we can use the mining vector or the mining sector as a vector for better governance in a given country, it will have an immense impact beyond the mining sector. So this is also part of my idealist kind of outlook. I use mining as well as a surf, as a vector, as a surf. I'm surfing the wave of economic development here with a way to ensure that those countries, through the mining sector directly and indirectly, benefit, that their governance regime, that their capacity to assume their responsibility in front of, before their people, are fully assumed and put to the common good. So mining for me is a window to those two concepts, the peace of, and development, that it's not, you know, it's not contained in the mining sector alone. It goes beyond that. Absolutely. Okay. I asked this quick question to a lot of people who've traveled a lot for a living. What's been your favorite area in the world to work and live in, if you had to pick one? The Dominican Republic, of course, is one where I found, funnily enough, I was asked this question recently in the context of what is a moment of your life when you were you had balance, good boss, good challenge, good living conditions for your family? Would you believe it's Congo? Oh yeah. In those years when I was there, but you know, it could have been, had it been before or after, I would not answer it in the same way. So yes, our family was very well. My wife could work; she could be pregnant at the same time. We had two children there, three, two and a half. Well, whatever. you know, we had a good all around life. Nice things, exciting things to do. A nice country to live in then, at that time. But you know, I've lived in Greece, so nice there. Difficult too, eh? To beat. Yeah, true. We'll finish with one last question. A question I always like to ask everybody before they leave, and that's if you're speaking to, it might be easy for you if you're speaking to people much younger, like students, for example, which you do teach. What's the most important life lesson you could give them, or just piece of advice? Looking back on your life. What kind of students? In any subject? Any subject. Okay. And this is one of the main messages that I leave my students, is keep an open mind. There's another side to the coin. I think that I'm offering them with the ISR framework a way not only to look at mining projects, but any human venture there is. They're extremely grateful of the fact that I provide them
with this this hierarchy. Well, it's not a hierarchy, but this list of five values and two processes. And they, in fact, they are asked as part of the course to look at real estate or social problems or social projects or whatever, non-mining projects, using this mining sector generated framework. And they're excited by the fact that they have now a matrix to use to evaluate. Now, you know, is the value of respect, which of course takes different tints, you know, and transparency and participation and social durability and environmental durability, how it applies, where do they rate, you know? So that's what I tell them. Keep objective, don't keep your reaction, always blended emotion into your, because you're human and that's what fuels your action and curiosity. But keep the prism of analysis structured, if not objective, at least structured, so that you're not contributing to missing a development opportunity or an opportunity to make peace. Yeah. Or to avoid conflict over an issue. Always be open for knowledge as well. Well, this is it. The right. Two processes, yeah. I didn't mention them now, but they come in support of that, yes. Okay. Knowledge is... So that's my main message. All right. Okay. Well, thank you very much. Appreciate it. My pleasure.